expressive, je l'adore. Sa personnalité, elle est vraiment prime calme, elle est bien polie, elle est trop folle. C'est ça. Oui. Idriss aussi, il est quelqu'un que... Il a ses principes, il est droit, quand même, il est vraiment très droit. Ça, tu dois faire comme ça, ça, tu dois faire comme ça. Mais il aime aussi partager la culture, et ça, j'apprécie énormément. Adorez la prochaine fois, vous m'invitez. Vous êtes obligé de m'inviter. Descendre en 3. Plus descendre en 30. Allez, la bino fort. Un grand merci de tout cœur. En tout cas, vous m'avez honoré. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis avec mon maman, comment elle s'appelle, maman cuisinière. Ma cuisinière. Il me reste seulement les chapeaux blancs. Ouais. Edith Balolé. Pour vous servir. Elle a dit pour vous servir. Faut que je te passe vos commandes. On va venir cuisiner. Oui, oui. Déjà, non, toi, tu ne sais même pas. Non. Tu as déjà commencé ton marketing. Là, ouais, d'accord, marketing direct. Comme j'ai dit. Voilà. Donc, oubliez pas de donner les numéros, sinon, mais tu es là pour vous servir. Ils doivent avoir ton contact. Bon, on va voir sur Instagram. On va créer un compte Instagram. Et puis là, on pourra maintenant accueillir les gens. Ok. Et vos commandes aussi. Est-ce qu'on fait des commandes pour cuisiner? Bon, des réservations. C'est une réservation, non? Mais oui. Voilà. Ok. Quelle est-elle gonflée? Elle vient de se réveiller. Elle n'a même pas dormi. Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 30 juillet. Nous sommes en... Frère, aujourd'hui, c'est quel jour? Les 30? Oui. J'ai cru qu'elle a plus de 31. Est-ce que les 31 existent? Bon, on continue. Il y aura les 31. La honte. La honte. Il fallait compter, non? Okay. Bon, là on part au mariage de Idriss avec Stacy. On part d'abord chez Stacy cuisiner. Donc comme vous voyez là, on est en train de donner les vibes des... Vous voyez les mamas, les tantines là qui viennent cuisiner, hein? Maintenant moi je suis la tantine là qui cuisine, qui mange en même temps. Toi tu es quelque chose de tantine? Moi je suis la tantine, celle qui est occupée. Fais-tu ça, est-ce que tu es prêt? Ok. La tantine qui met la pression. Si vous nous regardez en fait, si vous voyez comment nous sommes habillés, vous allez confirmer que nous sommes vraiment ces tantines. On vous présente habillement, la combinaison, sac de maquillage, voilà. Avec les babouche. Qui... Babouche, j'ai pas oublié le babouche. Et puis il y a les cheveux qui ne sont pas encore bien faits, il faut cacher. Avec son sac, elle a mis les sachets là-bas où elle va cacher la nourriture. Oh, exactement. Coucou les gars, c'est nous sommes à Port-Louis. Là, on part au marché. On va se voir avec Elodie. Elle est déjà passée ou bien... Je sais pas, peut-être. Non mais c'est... Normalement, c'est nous qui sommes à l'avance. Parce qu'elle a l'air contournée pour rien. Ouais. On va traverser le port. Des jambes, des distances. Donc là, on est en train de marcher avec les bonnets. Dépouche tes joues. Attendez, je vais vous montrer pour lui. Dans des longs tiges comme ça, il y avait toujours des petits. Il prend ça ou lesquels? On regarde d'abord. Ils sont bien même, ce serait bien.
partie, c'est coiffé. Vous aurez le temps pour préparer. Oui, oui. On va faire ça vite, vite, oui, maman. Jusqu'à déjà. Oui. Je pense que vous avez beaucoup de feu. De feu. Il n'y a que deux. Oh, c'est non, on n'a pas ça, nous. Hey! Hey! Mais c'est vrai! Mais maman, il n'y a pas de grosses marmites? On nous a pas dit qu'on allait faire chez nous et. Voilà! Et après, ramener. Toujours, Stacy! Elle m'a dit, non, on n'aura pas le temps de rapporter. Non, on va se débrouiller, ça, non, c'est pas grave. Il y a assez de place, assez de place. Mais la cuisine, oui, c'est grand, il y a une table. Mais les gros marmites, comme. Non, non, pas gros marmites. Le gros marmites, genre, beaucoup de. Ouais, ouais. Beaucoup de plus de. Que deux seulement? Oui. Oh. Parce que là, on va commencer la viande. On va commencer la viande. Enfin, on va arriver, hein, de toute façon. Attends.
sel. Elle dit, dans la viande, il doit y avoir du sel. J'ai tu vois mon... J'ai mis des mains. Regarde comme les sabots des messieurs. Couvre maintenant. Eh, hey, n'ajoute pas beaucoup, eh. C'est sympa. Pourquoi mon bandit rêve comme ça? Non, on doute comme ça. C'est ta tata qui mange. Non, mais franchement, j'ai faim. Hier, j'ai pas dû manger aujourd'hui aussi. Viens manger ton bouger. Non, mais c'est tôt, on ne jette pas. On fait tout l'heure. On ne jette pas. On ne jette pas. La sauce. La sauce. On va mettre dans la sauce. La sauce. Là, c'est ce truc là que tu vas faire. Exactement. Et puis la femme va dire, non, on va finir ça pour faire un truc. Je suis en train de briser les noix avec ma main. Les bombes. Nayo. Ah. Bon, là, j'ai besoin d'un feu pour faire les... Les quoi? Un petit baril pour manger là. Il manque le noix de coco. Les gens se comprennent, les gens se complètent.
Équipe de choc. Équipe de choc. Si c'était les autres, il y aurait un équipe de choc. Je me suis dit, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, tu vois, c'est ça en fait l'esprit de l'équipe. L'esprit de l'équipe. C'est pour toi seulement, on fait pour qu'on avance. Tu demandes de l'aide, est-ce que ça c'est bon, c'est pas moi qui vais partir en disque, et tu touches à pied, c'est ça, il y a de prendre quand, ça c'est pour moi, et c'est pas touché, quoi, ça touché, ah, bonjour à Marmite, ah, c'est là, tu vas dire, ah, pourquoi tu veux pas, ah, allez, boue, boue. Voilà, on remercie Dieu. Et en plus, j'ai
elle a dit, je vous attendez, je vous appelle quand on arrive. Là, la voiture n'a pas décollé. On va la trouver là-bas. La voiture n'a pas décollé. Elle est arrivée. La fête qui est supposée commencer à 15h. À 15h, les 21h. Les 21h, on vient d'arriver. Ça va finir dans 2h. Et avec nos soirées comme ça, aussi belles que ça, on va cuisiner les foufous. Oui. On va cuisiner les foufous. Et puis la fête est supposée finir dans 2h. Ouais. Et ils n'ont pas encore mangé parce qu'ils nous attendaient. Ouais. Quelle bonne idée. Thank you.
Qu'est-ce que mon micro là? Qu'est-ce que mon micro là? Qu'est-ce que j'avais pour toi? Qu'est-ce mon micro? Oh là, c'est né. C'était lui longtemps. Ah, aussi vite en haut. Maman en gueule. T'es devant tes parents, devant ta famille. Et va devant des Congolais aussi. 243. Devant ambassadeur aussi. Ah oui. Merci. Et de vous nourrir aujourd'hui. En tout cas. Malou Bessili. Voilà. Aussi, les non, 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 dis seulement je t'aime. En tout cas, c'était un rêve. Ah oui. Ah oui. C'était longtemps que j'étais en train de penser un jour vivre cette vie avec des filles. Alors, je remercie Tizoumé d'avoir me donné celle qui me convient. Les 143 plus des 130 dans les labinophores. Un grand merci de tout cœur. En tout cas, vous m'avez honoré. En tout cas, ça fait la fierté de la famille Marie et la famille Djonga Koy. En tout cas, mes respects à vous. Chapeau bas. Un grand merci, vous avez fait ma soirée. Hein. Amen. Oh, les Congolais ne sont pas romantiques. Voilà. 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 Stécie Marie. Écoutez la déclaration. Je t'aime à perdre conscience. Oh, les Congolais ne sont pas romantiques. Alingala, 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 Alingala. Viens pas là-bas, Lingala. Viens pas là-bas, Lingala. Lingala, Lingala. En Lingala. Avance, prophète. En Lingala. Prophète, prophète. Appelle en Lingala. Prophétise, prophétise, prophétise. Nalingio, Nalingio. Nalingio, prophète. Hé! 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 Yoga Congolais. C'est Meki National. Hé! On est qui Simeone? On est qui Simeone? On est qui Amida? Non, 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 non. Bah, supporter ma programme, ma moi, c'est que je veux dire aux autres merci à tous qui l'a présent. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Amen. Avec Talet Talaz, mais qui vous dit DJ, son, allez vite.
personnalité. Elle est vraiment très calme, elle est bien polie, elle est fofolle. C'est ça. Oui. Et depuis ceci, il est quelqu'un que... Il a ses principes, il est droit. Comme homme, il est vraiment très droit. Ça, tu dois faire comme ça, ça, tu dois faire comme ça. Mais il aime aussi partager les cultures, partager les valeurs. Et ça, j'apprécie vraiment beaucoup. Il est quelqu'un de grand cœur. Il est vraiment très gentil. Ça, j'adore. Moi, ce que je souhaite pour eux, c'est qu'ils continuent ainsi. Ils continuent ainsi. Je sais que leur couple, il peut avoir des hauts et des bas, comme tout le monde. Beaucoup de prospérité, beaucoup de bonheur, santé bien sûr. Même si je ne connais pas personnellement, mais c'est que moi j'ai aimé. Je parle en général. Ouais, en général. Là, comme si vous étiez vraiment content, vous montrez, vous êtes en train de danser, tout ça. Mais c'est nous aussi on était contents, mais on n'est pas comme vous. Toujours. Vous voyez. Toujours. J'ai aimé ça. La façon de danser, tout ça. Groupe. On n'est pas nombreux, mais on a fait plus d'ambiance. Ah, ok. Non, ça c'est sûr. Je l'admets. Je l'admets. Je suis un peu déçue, mais je l'admets. Non, c'est vrai. Tu es déçue pourquoi? Je l'admets. Déçue pourquoi? Non, mais parce que. Nous aussi, on. Moi, j'aurais aimé comme si montrer comment nous on fait aussi, voyez, c'est égal, tout comme ça. D'accord. Non, mais moi, j'ai aimé aussi. J'ai vraiment adoré. C'est la première fois que je passe une soirée comme ça, avec les Congolais. Mais j'ai adoré. La prochaine fois, vous m'invitez. Vous êtes obligés de m'inviter. Non. Toujours! Non. Et la nourriture aussi. Bah, équipe de choc! J'ai pu manger le foufou. Ok. J'ai adoré. J'ai adoré. Quoi d'autre? Que tu as mangé? Je ne sais pas comment ça s'appelle. La banane? Non, le tunda. Banane aussi. Les légumes? Non, légumes. Malba. Malba. Ça, j'ai l'habitude, ça c'est bon. Le truc de banane, ça j'ai adoré. Et le truc rond, le beignet. Je croyais que c'était de la banane, mais c'est pas le cas du tout. C'était. Et j'ai apporté, il y a beaucoup, j'ai mis dans les boîtes tout ça. Je me régalais ce soir, demain, après-demain, je me régalais. Là, je vous adore. Vraiment, on t'adore aussi. Merci pour le discours. Merci beaucoup. Ça vient du cœur. Non, franchement.